Alors aujourd'hui, peut-être que dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un petit peu de confiance en vous. Parce que la question du jour, c'est qu'est-ce que vous vous êtes découvert dernièrement comme nouveau talent, comme nouvelle compétence, comme nouvelle aptitude ou nouvelle qualité, pourquoi pas? Posez-vous la question. Vous avez forcément appris quelque chose et quelque chose qui vous a marqué au point que vous en ayez pris note et que vous l'ayez constaté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, jour après jour, semaine après semaine, vous apprenez. Oui, mais comme tout le monde, et moi inclus, alors vous avez peut-être des démarches volontaires en lisant des bouquins, en regardant des documentaires plutôt professionnels, hein, on est d'accord, c'est pas la vie des animaux en Nouvelle-Papouasie. Et donc, peut-être que vous avez cette démarche-là aussi, mais de toute façon, instinctivement, entre guillemets, on absorbe les informations des personnes qui nous entourent. On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie régulièrement. Ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo très clairement. Mais vous apprenez de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les jours. Mais apprendre peut vous permettre de peut-être mettre en lumière quelque chose que vous aviez déjà en termes d'acquaintance, d'affinité, et d'un coup vous rendre compte que vous avez un talent supplémentaire que vous ne soupçonniez pas. Et oui, parce que c'est là aussi qu'il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas complètement stupide, vous n'êtes pas idiot, ça c'est une certitude. Votre vie, c'est peut-être la loose, entre guillemets, de votre point de vue, mais vous êtes quand même quelqu'un d'unique, avec certaines caractéristiques, certaines aptitudes, certains talents. Et peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux, mais peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui vous ont vu des talents que vous n'acceptez pas ou qui, selon vous, ne sont pas assez intéressants ou importants à développer. Pourtant, c'est avec ça que vous pourriez faire les choses un petit peu différemment. Ok. Donc, mettez-moi en commentaire quel talent, quelle capacité, quelle aptitude, quelle qualité vous vous êtes trouvé dernièrement par le grand biais du hasard ou d'une conversation ou d'une remarque qu'on vous a faite. Mais mettez-moi tout ça en commentaire. Ça donne un peu d'énergie, ça, de savoir qu'on a une capacité, un talent supplémentaire. Hein?